C'est qui? Il y a que bah, tu envoies ton groupe. Honor. Honor. Non, 350. 350. Ok. Honor. L'EGV avant, ce sera Stéphane, suivi de Ined en deuxième, et moi je fermerai la marche. D'accord, les gars? Le bib, tu structures ton Oh, groupe j'ai comme qui tu veux. avec moi? GH? Ouais, et Anto. Bah, Anto, t'ouvres la marche. H, tu fermes la marche. Moi, C'est bon. et Attends, attends. Et moi je vous suis, hein, dès que prêt, on y va. Ok. Steph, t'es 350. prêt? Tu mets 350, quoi, tu ferais. On s'espace de 5 mètres, les gars, dans le market. Je Faites suis tenir vos prêt. lampes Allez, les partout. scotch bleus avec moi. Ouais, on marche. Hein. Faites On tenir marche vos dans nos frontales, records. vous les mettez au minimum. Je sais pas si on peut changer le volume, la puissance sur celle-là. Si, ah ouais. Là-haut. Ouais, mettez-les au minimum. Pourquoi Frontal au sur la minimum, lumière sinon on éteinte? verra pas. C'est contrôle N pour les mettre au minimum. Traverser une route. Arrête-toi, Stéphane. Tu peux le contourner. C'est bon, tu peux y aller, tu peux partir. Ouais, ce que j'allais dire. Arrêtez, il y a de la lumière, les gars. Ok, on On arrive. s'agroupe tous à la lisière, Et les gars. perçu. Le deuxième, il faut que tu passes parce que j'entends rien de ce qui se passe derrière. On continue la progression? On continue, vas-y, c'est pas normal. Ah, elle. Ouais. Ah ouais, je suis, t'inquiète. Commençons par celui qui est à gauche. Et nous, on vous couvre d'ici. Ok, Stéphanie. Quand on couvre d'ici. On traverse. Bib. Faut que tu relayes les ordres du lead. Là, on les a entendus, mais
On les emprunera pas forcément tous. Oui, quand tu parles à la radio, au lieu, tu relayes les ordres à tes hommes. Si on peut se rentrer dans la maison. Allez, Steph, on dit, on a fait la maison sur le grand bâtiment, là. Grande maison que. Gâche. Ouais. Je porte mon arme sur le côté gauche, c'est normal ça? C'est que tu dois être penché à gauche. Fais contrôle. Ouais, fais contrôle. Ouais. Voilà. Peut-être que le portail était ouvert, ils vont rentrer par le portail. Vous êtes embêté là pour passer le portail là? En train de faire le tour là, du bâtiment, j'arrive pas à passer le. Pourquoi je peux pas regarder ma montre là? Ah oui, attends. Ah. Je sais pourquoi. Normalement, maintenant, vous pouvez la regarder, la montre. Ok. Traverse et on scrolle à la baraque à droite. Ok, attendez. Il est 10, on a 35 minutes pour prévoir notre cours. Normalement là, regarde, normalement là, elle... 35 minutes là, faire le cool, là. Normalement elle marche ta montre là maintenant. Il faut que tu baisses ton arme de toute façon, mais... Ouais, j'avais fait une connerie dans mes... Vous allez vous poster de l'autre côté de la maison et vous allez venir éteindre évidemment une fois que vous serez en place et il faudra attendre l'ordre de 300 pour enfin vous entendrez le gros boom hein, de toute façon normalement ouais. Pour engager le dernier véhicule normalement de l'autre côté on a un bon visu je vais venir avec vous ah, ok c'est prêt dès que ça pète on s'attaque au dès que ça pète, on attaque le véhicule de queue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y en a qui s'occupent du chauffeur du véhicule central? Ce sera peut-être 300 en fait, parce qu'ils auront un meilleur visu. Vous s'occupe que du véhicule de queue? Ouais, de queue et puis des éventuels mecs qui vont faire derrière, tout ça, ça fera une tenaille quoi. D'accord. Ici, là, ça serait bien. Je vais venir avec vous pour voir un peu la configuration des lieux. On y va les gars, vas-y en go. Ouais, c'est bon. J'ai pris en direct. Tu suis, on va se mettre de l'autre côté de la maison là.
Habib, H, Anto, je vous laisse gérer. Alors ici, ça me paraît pas mal, vous avez pas mal de couverts avec les armes. Je vous laisse trouver la position la plus adéquate. Ok. Le voir surtout. Pété. Je vais ah là, du je coup, vais là, il sera, il s'arrêtera vers ici, l'autre véhicule. Celui que nous, on doit s'occuper, il s'arrêtera vers là, je pense. Bah, vaut mieux être 50 mètres au loin, là. On a des hauteurs, là, en face de nous, aussi, hein. Je sais pas si t'as vu la topo, mais ça remonte un peu aussi de ce côté-là. Ouais, bah là, c'est en pleine cuvette en fait ici. Je peux pas en 280 là? Bon. Monte un peu le volume de ta voix en top, ça t'entend pas. Fais gaffe à pas rester trop près de la route, hein. Parce que oui, quand il y a tout qui va faire boum, si t'es à côté, pas qu'on soit directement sur la route, quoi. D'accord. Bah Bib, hein, selon ta convenance. Là, on s'écarte de la route là. Là c'est pas mal, non? Niveau de quel poteau? Celui qui est en bas, là. Ouais. Faut faire gaffe à ce qu'ils nous voient pas en arri quand ils arrivent, hein. Donc faut qu'on soit planqué quand même. Hein. Ouais, mais y a des arbustes, on se met à 5 mètres. Ici, là c'est pas mal, là, ici. Ouais. C'est bien. On a une vue entre les arbres et tout. Pas mal, de toute façon on les verra par les phares. Ouais. Et là tranquille. Ah la route elle a quoi là? Elle a à 30 mètres? T'es trop près là, s'il y a un véhicule. Ah, ça dépend, tu comptes l'engager au RPG ou pas le dernier véhicule? Ouais, oui, ouais. Ouais, mais si. Là, t'es trop près de la route, Anto, s'il y a un tir de RPG. Mais même le. Bah, ça dépend. Ça dépend de où ils ont placé leurs explosifs, ouais. Parce que là, tu sais qu'ils explosent les véhicules après, donc si tu te prends l'explosion dans la gueule, faut se méfier de ça aussi. Ouais. Faut se méfier de ça aussi, hein, parce que les véhicules, ils explosent. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après la première explosion, il y a encore des boum bam boum pendant un moment. Ouais, c'est bon, ouais, on a Et vous en avez tous les gars là? Ça c'est les charges, ils sont potes. Il est écart, hein, on a encore une demi-heure pour voir la solution. Quoi comme équipement? Batteuse toi? Ouais. Toi t'as la batteuse? Toi tu as? Oui. Moi je suis Et toi? Je suis Moi je suis à la HK de base quoi. T'as pas de grenade ou de trucs comme ça? Si j'ai une grenade et une fumigène.
Après, j'ai le matos de médic, hein. L'avantage de se placer loin derrière, sur la route, hein, c'est que du coup, on aura plus de temps pour viser avec le RPG. Et je sais pas si tu m'as entendu quand je t'ai dit tout à l'heure aussi, mais de l'autre côté, c'est un peu en hauteur, j'ai l'impression. Allez voir. De l'autre côté de la route, là, il y a une pente qu'on n'a pas forcément de ce côté-là, je crois. Jeter un coup d'œil. Bah. Ouais, mais n'empêche que quand tu attaques de côté, avec la vitesse du véhicule, t'as moins le temps de tirer au RPG que si tu le tapes dans le cul à 50 mètres au loin. Ouais, mais c'est pour ça aussi que. C'est pour ça aussi que peut-être que prendre un peu de Ok, hauteur. je te suis, hein. Je te préviens dès qu'on voit les phares. On a encore une demi-heure. Là, ils m'ont demandé, enfin ils m'ont dit comme quoi ils étaient prêts et que accélérer le temps, c'était eux ils sont prêts pour Ok. les prévenir dès qu'on voit les phares. Mais on sait pas où ils vont faire péter la première charge, on est loin Si, regarde, viens voir. La première charge, ils l'ont placée à hauteur du lampadaire là. Un peu. Attends, reste sur la route et allume ta lumière de la route. Va te mettre sur la route. Tantôt, ouais. Depuis l'autre côté, on a une vue moins découverte, mais on a une vue, on est moins couvert, mais on a une vue plus un peu plus de vue sur la route. Autrement, ce que je disais, c'était ça. C'est qu'on se met au niveau du poteau, on se planque, on reste debout, et une fois que le véhicule est passé, on va sur la route. Comme Et ça, on on tire de passe. l'arrière. C'est Ça, toi mais qui on est un choisis. peu plus dans le bois, quoi. C'est toi qui choisis. Bah, le temps qui passe, on reste dans le bois et on sort du bois derrière eux, quoi. Voilà, exactement. Ok. Bon, bah, c'est bon pour moi. Et on rentre dans le bois? C'est toi le chef, hein. On t'attend. Allez, go. Allez, on y va. Ouais, je suis là. Ouais. Ah ouais, ça y est, on a positionné. C'est bon, je peux accélérer le temps. Ah ok, il y a juste moi qui va allumer ma lampe. C'est bon pour l'accélération de temps ou pas, Bib? Tu demandes qu'on On est fie avec. trois l'un à côté de l'autre. Trois ou faut que je fasse un décalage entre les arbres? Il y a une chier d'arbre. C'est bon, nous on est prêt là.
lampe. Ok. J'accélère le temps ou pas? C'est bon pour lui? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Ok. Regardez vos montres, ça va être marrant. Ouais, surveillez vos montres là, ouais. Et là, ils viennent pas. Ils ont changé de route. Ils ont crevé un pneu. Tu sais équiper le lance-roquettes au fait, Bip? De H pour Bib? Tu sais équiper le lance-roquettes? Ah, je l'ai là. Moi, je te demandais. Ouais, c'est bon. Non, mais je te demandais juste si tu savais t'en équiper. Pas besoin d'appuyer sur F pour tirer. Non. Non, non. Nous sert les visions nocturnes là, hein. Bah, il fait nuit, hein. Ah, voit que le ciel. Audio véhicule, audio véhicule. Signal audio véhicule. Signale-le à la radio qu'on a un audio véhicule. Véhicule 1 en approche. Véhicule 2. Véhicule 3. Bon ben débriefing, échec de la mission, vous avez fait exploser le deuxième véhicule. Ouais, c'est nos potes. Vous avez mis. J'ai cliqué sur detonate et j'ai lâché le doigt trop lentement. C'est lorsqu'on lâche que ça gagne. Où est-ce quand tu lâches que ça explose? Vous voulez la retenter? Ouais, c'est pas moi, c'est Camille. Je suis prêt. Bon. Allez. Ah oui, on va faire ça vite fait. Il y en a pas pour 3 jours à se mettre en place, c'est bon, maintenant tout le monde sait. On fait exactement le même setup. Hein. Okay. Ah non, c'est le propre. Hein. Ouais. Ouais, faut pas se rater sur cette explosion-là. Hop. Non, là, sur l'échelle de la mission, on, est une, on avait fait une petite cinématique de qu'on se fait killer. Bon, à partir du moment où t'as détruit le véhicule,
T'as plus les données, c'est perdu J'ai quoi. eu l'impression qu'on avait plus le souffle de l'explosion en même temps. Au début, je crois que c'était ça. Non, c'était. Ah Non, oui, c'est juste. t'es blessé, non? Ah, puis ils roulent vite. Pas moyen de les faire ralentir? Déjà, je les ai limités à 50 km/h. Ouais, parce que Ouais. ça, qui drop, hein. Moi, franchement, je les ai trouvés passer vite. Hein. Ouais, Ils vont bah. pas vite. Si tu regardes en dessous, je t'assure, ils vont pas Dans vite. mon sac d'explosifs, j'avais un IED. Ce serait pas pratique de mettre un IED à la place? Si, tu peux aussi. Tu peux. Alors, je sais pas s'il est dans ton sac d'explosifs, mais dans la caisse, tu peux aussi prendre des IED, vous avez le choix. Je lance. Y a pas des mines? T'as pas des Attention. mines? Il Bonjour. suffit de Non. miner la route, comme ça le premier véhicule il saute. Les IED, ça fonctionne pareil, hein. User left your channel. Channel switched. Ouais, donc tu disais les IED, ça fonctionne pareil, c'est ça? Ouais, Ah, ça ça change fonctionne. rien. Enfin, non, les C'est IED, comme c'est. une mine, c'est ça que tu. Ouais, c'est comme une mine, ouais. Tu peux placer un C'est IED. comme un explosif, il faut que tu l'armes et puis c'est pour que tu fasses sauter quoi. Non, tu peux Et l'armer avec. les crevés des pneus, ça existe dans le jeu? Tu peux l'armer avec une plaque de pression. Mettez-vous en rouge et en bleu. Ça va être plus pratique. Allez, les scotch bleus, venez avec moi. Ouh, les scotch bleus. Ouais, Tu mets attends, ton il va prendre ses IED. explosifs vite fait, puis après on y va. Bon, c'est azimut 350, droit. Attends, il prend les explos encore. Ah, du coup, vous pouvez laisser vos lampes pour le trajet, allez. Ouais, non, mais de toute façon, c'était, tu sais, c'était prévu pour, hein, on est en On zone est prêt? occupée, mais Yes, Dash. Allez, y a let's pas go. de couvre-feu, hein. C'est Allez, parti, le je bip. ferme la marche. T'es accroupi, Steph, tu peux te relever. Toc. Bon, le chef a dit azimut brutal 350. Tu veux rechanger ton allure, tu es rapide deux fois sur C. Il y a qui, je l'entends comme s'il était à Ouais, côté ça de va moi piquer les coups là. Là, on a la même allure tous les deux. Ouais, ralentis un tout petit peu. Ah, ralentis un tout petit peu, Comment? vas-y. Juste ralentis un tout petit peu, vas-y, vas-y, rentre. Ah. Problème, H. Channel switched. Ouais, allô? Tu m'entends, Camille? Ouais, il fallait que je recharge mon acre. Si vous entendez tout le monde comme s'ils étaient à côté de vous, c'est qu'il faut que vous rechargiez votre plugin Acre. Hein. Vous basculez sur TeamSpeak, faites outils, options, compléments et rechargez sur le plugin Acre. Si vous n'entendez pas ce message, ça ne vous concerne pas. Ouais, non, mais. Ça se trouve, t'as mis un bonhomme en plus. T'as été vicieux J'aurais là-dessus, tu sais. pu. Moi, je l'aurais fait, moi. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, mais j'attends mon tour. Sous nos rochers, là. J'ai l'impression que tu. Je suis là, je suis là. J'ai l'impression que les rochers changent de place. Non, c'est le colon était par là. Ah, on était là, ici. Bib, en tout, il est déjà parti. Hein. Il est déjà en place là?
Ah, il est déjà parti devant nous, ouais, pour aller se mettre en place. Je suis à côté, ouais. Peut-être qu'on ferait mieux de faire ce qu'il disait, de monter sur, sur notre droite, là. Ouais, sur la petite vallée, comme ça on aura un meilleur angle de vue, quoi. Après, ça change rien, parce qu'à partir du moment où eux, ils réussissent leur explosion, le convoi va s'arrêter, on aura le temps de leur arriver dans le cul, hein. Globalement, là, moi, quand je suis arrivé sur la route, si l'explosion avait eu lieu, avait bien niqué, on était pile dans leur cul, hein. C'était pas une mauvaise stratégie non plus, hein. Ok. C'est comme vous voulez. C'est Bip qui décide. Tu veux qu'on essaye à droite? Comme tu veux, c'est toi qui vois. Allez go. Pas mal. On va aller plus loin. Attends, je vais me mettre sur la route avec ma lampe pour te faire une idée de la distance. Peut-être ici. Là, t'es vraiment prêt. Hein. Là, t'es vraiment prêt. Ouais. Mais... Je sais pas si ces deux arbres-là, ils couvrent vraiment bien. Là, mais... Ouais, là, on est prêt. On n'a pas de couverture de là où vous êtes. Hein. La baraque là. Ouais, mais il y a un arbre juste en face. Hop. Salut aux viewers sur Twitch. Merde, elle est où la route? Au pire, si tu veux récupérer de la visu, tu te décales sur la droite, là. Tu te décales sur la droite, ça va... Alors regarde, par contre, faites gaffe, la route, elle est pile sur notre droite, là. Faut pas qu'ils nous voient en passant. Hein. Parce qu'on va être dans le faisceau des phares, là. Ouais. Non, là, salut, code 34. Ouais, ouais. Si, ça sera pas mal. Ouais, on va se mettre là, ouais. Ouais. Passe au niveau de la détection des mecs là. Bah s'ils nous voient, si on est couché ça devrait aller, ou si on est accroupi ça devrait aller là dans le noir, tant qu'on n'est pas dans le faisceau des phares. Et là si on est caché par cet arbre vert là, ça ne voit pas de travers, l'IA. Ça dépend des buissons. c'est un truc. Ça dépend de la manière dont les buissons sont faits. Normalement ils te voient pas. Parce que sinon... Ouais. Je crois qu'ils ont fait exploser leur charge. Fais un test radio. Les gars, y en a qui peuvent me répondre là. Ils répondent pas? T'as peur qu'il a fait une... Ils sont tous en vie, y'a pas de blessés. Y'a pas de blessés là? Non, pas de blessés. Ok. Ah, le freeze pour les 10 secondes, alors... Des explosifs? Pourtant j'ai baissé au maximum. Encore des explosifs, ils vont... Pour poser les explosifs. Et là ouais, tu vois là-dedans, là, si on se planque là-dedans, là, ils nous voient à travers les... Ah ouais, ces buissons-là? Je sais pas. Normalement, non, si on est planqué, si on est bien à plat et qu'on n'est pas dans le faisceau des phares, tant qu'on est dans le nord, ils nous voient pas. Après, quand on est dans le faisceau des phares, on peut être planqué, quoi. Après, de l'autre côté, on savait qu'ils nous ont pas vus, quoi. Ouais. Là, on va reprendre le risque de te faire voir.
Oh, reste derrière la pierre là, là, tu vois. Accroupi. De toute façon, le plan c'est toujours le même. Si on décale sur la route et que tu tires et que tu tires au Ah, mais RPG dans tu leur attends que tu cul. es décalé, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Moi je te Ouais, dis qu'on. mais comme tu dis, hein, si la première explosion se passe bien, les véhicules vont être bloqués, hein, donc du coup on aura vraiment le temps d'y aller. Hein. Ah, il commence à sortir du véhicule là. Oui, bah si tu Là, prends un les. coup d'RPG, c'est bon. Hein. Ah, ça les. Ça les éliminera tous. Ouais, faut essayer de les avoir en un coup. Par contre, fais gaffe à pas rater ton coup de RPG et à pas tirer sur le deuxième véhicule. Hein. Un peu là. Et tous les gars là. On est à côté de Moi toi. je suis derrière l'arbuste. C'est bon, on n'a plus qu'à éteindre les lampes et puis Tu me dis quand Camille il donne le top accélération du temps. On est prêt. On verra quand tu donnes le. T'accélères le temps, vieux. C'est bon, il lance le truc. Ok. Ouais, code 34, je suis désolé, s'il y a des frises, je pensais avoir résolu mes problèmes. Ouais, les gars, on a des parts en visu. audio véhicule, audio véhicule.
Ouais. Là, ça arrive, là. Signal, signal, La hein. seconde, c'est là. Un seul véhicule, par contre. Vérifiez, les gars. Il n'y a qu'un seul véhicule, non? Ah, les autres, ils ont dû planter. Audio véhicule, les autres arrivent. Pas celui-là, hein, pas celui-là. Dernier véhicule à droite. C'est bon, le conducteur, il est down. On a encore du monde sur les arrières. Chargeur. On a du monde sur les arrières. Hein. Il est où, Anto? Il est à terre. Ah putain, il m'a touché. Deux fois. Bib. Ah, t'as signalé aux autres qu'on avait besoin d'un appui sur les arrières là. Moi j'ai été touché plusieurs fois. Ami, ami, ami. Ami. Moi, j'ai salement pris. On a perdu Anto. Attends, je suis pas sûr que ce soit moi là. Il faut le descendre.
Camille, j'ai salement morflé, va falloir que tu me recouses et que tu me mettes une saline. Hein. Dès que possible. Je suis derrière toi, je te mets mon kit chirurgical et une saline à terre. Bah déjà, si tu peux me recoudre, c'est bien, c'est ça de prix, quoi. Il faut que t'as pris le kit médical? Ah putain, mais normalement t'es médic, toi. Fuck. Bon, bah tant pis, je ferai avec. Audio hélicoptère. C'est pris pour azimut 45. Non, 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 c'est pas ami ça. C'est pas ami. Ils fast drop des troupes. Ils sont en train de débarquer des troupes. Bon, moi je suis en dehors du jeu là, je pense.
Toujours pas mort, Stéphane. Hein. Pas sur l'hélico, ça sert à rien. Ouais, non, ouais. Alors, il faut que tu regardes un des ordinateurs, tu regardes le bureau et tu t'as avec la molette de la souris, t'as mode spectateur. Ouais, tu pourras parler en toi. Hein. Allo, allo. Ouais, ouais. Alors, bilan. Écoutez. Bilan, chef d'équipe Camille. Ah, attends, je vais peut-être faire un bilan avant sur les pertes. Moi, j'ai été HS. Anto est mort pendant le premier combat. Steph est mort dans la fuite et Bib est mort dans la fuite en se faisant honteusement contourner par un russe qui était vraiment mais sur ta droite quoi. Il est arrivé, voilà. Et voilà. Et la parole est à Camille, hein, chef d'équipe. Ah bah écoute. Très courte mais très 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 bien pour l'ambiance je trouve. Après grosse difficulté c'est la fuite justement parce que se repérer de nuit dans une forêt à la boussole c'est compliqué, on va pas se mentir. Ouais mais vous êtes tous partis coursé par un hélicoptère avec en toute plus, une armada en plus, de mecs dans le dos, éviter les halos de lumière pour pas se faire repérer du coup super chaud la fuite quoi. Et après, pour l'embuscade, j'ai pas vu ce qui s'est passé pour 600, donc je sais pas dire. Je pense que le. Ah, ça s'est pas du tout passé comme premier lancement de mission, quoi. Là, les trois véhicules étaient fortement espacés. Bah ouais, c'est ce que j'ai cru voir, ouais. Ouais, le 3. En fait, y en a un qui, de temps en temps, ils ont des problèmes et ils ralentissent, ils ont des petits bugs à suivre la route parce que c'est l'IA d'Arma qui conduit. Voilà. Et du coup, ils sont arrivés en retard. Mais ouais. Sinon, je pense que si ce convoi était correct, je pense que le plan était bon. Gros souci de fuite dans la panique. J'avoue que c'était pas le merdier, quoi. C'était un peu le branle-bas de combat. C'était un peu la fuite guérilla. Alors, ça, à ta charge. J'avais bien écrit dans le briefing que c'était à partir du moment où le piratage était fait que
que le truc allait signaler qu'il était piraté et que donc les renforts allaient venir. Et t'as pas attendu qu'on ait traité, regroupé avant de pirater. T'aurais dû, j'ai rien dit, mais t'aurais dû attendre le piratage, t'aurais dû le faire qu'une fois que qu'on avait éliminé la menace qui était déjà sur place et qu'on avait regroupé. Ça aurait peut-être sauvé la vie d'Anto parce qu'on aurait eu le temps de le soigner. Moi j'étais blindé de dégâts en plus. Bon, ça c'est. Ils sont. J'avais pas percuté ce détail. Ouais. Mais Voilà. ouais, c'est dès que ça avait pété, l'alerte était déjà donnée, quoi. Bah c'est ce que je comptais faire Ouais, au je départ, pensais pas mais que je me suis dit que c'était trop ça allait chaud. dessus d'ailleurs, parce que je pensais que les deux véhicules étaient plus rapprochés et dans à travers les arbres et je dis merde, c'est nous. Ah. Ouais, moi Parce je me suis fait descendre ouais, par dans le dos, quoi. que... je sais pas, moi j'ai pris cher, mais ils nous tiraient dessus aussi. Hein, En fait, du coup, le dernier véhicule du convoi a déchargé des hommes avant que le bib ait le temps de tirer, c'est qui me semble avoir vu de ma position. Alors le coup de lance-roquette a fait mouche, mais a pas fait exploser le véhicule. Et ça a dû tuer du monde autour, mais il restait quelques soldats qui ont débarqué et qui ont commencé à nous engager. Après Ouais, le d'un premier... point de vue très résumé, bonne mission, mais très très difficile, surtout de nuit, sans équipement. Bah, là, on voit bien qu'on n'est pas les 6 ou les Delta Force, quoi. Elle était faite pour être difficile celle-là, hein. Elle était faite pour être courte et difficile. La prochaine fois, on mangera de la myrtille, les gars. Ah ouais, et Ah ouais. dernière remarque, ça ne sert à rien de tirer sur l'hélico parce que en fait l'hélico, si tu traînes trop, il dépose des trous. Et si tu avances, il n'a pas le temps de rentrer dans la phase de dépose, il en dépose qu'une seule fois. Mais par contre, si tu le détruis, il y en a un deuxième qui arrive et qui fait pareil. Donc Et là, voilà débrief. Ouais. Bon, très bonne mission, courte et intense. Akinid, il m'a bien suivi les instructions, donc c'était nickel. La fuite, on a réussi. Dès qu'on a entendu qu'il fallait décrocher, on a filé à 10 minutes 45. Je me suis pas posé question à essayer d'éviter en fait le halo de lumière de l'écho, quoi. Il nous spottait, enfin je courais, moi. J'ai couru tout droit à 10 minutes Ouais, 45, mais j'ai c'est pas vu exactement l'écho ce qu'il passer. fallait faire. C'est exactement Ouais, ce qu'il bah fallait c'est faire. ça. Et au final, on a trouvé le point Budapest avec une aide, et puis j'ai parlé aux gars qui nous ont amené à la frontière. Donc, très bonne mission. Ouais, une fois que tu arrives sur Budapest, automatiquement ils éliminent l'hélico, les gars. Ah, c'est pour Ouais, ça qu'il a pété. c'est Ouais, pour c'est ça pour qu'il ça a qu'il a pété. pété, ouais, qu'on arrivait. Et tant qu'ils en envoient, ils les éliminent. J'avais bien compris qu'en fait, on arrivait dans un trigger et ça se passait. J'ai vu les hélicos péter tout seul, j'ai fait. Le mec au lance-roquettes, normalement, il lui tire dessus, Ah bah oui, on les a pas vus. mais j'ai fait une sécurité, même s'il le rate, ça explose, ça explose, là, ça explose l'hélico. Bon, le Voilà. bib. Oh bah ça a dû se ressentir, hein, mon premier lead, Par entre contre, guillemets. j'ai oublié de préciser, je crois que j'ai fait un tir allié, je crois que c'est moi qui ai tiré soit sur Anto ou soit sur H, parce que quand j'ai vu H se lever à cet endroit-là, j'ai fait A. Ouais, on est deux à faire du tir allié parce que moi c'est pareil, je tirais sur les positions en pensant que c'était le deuxième véhicule. Et bah du coup, quoi. C'est vrai? Vas-y, j'ai le bip. Voilà, pas pour ma part, hein, cette premier lead de petit lead. Après, la mission en elle-même a été sympa. C'est vrai qu'avec une petite. Comment. Différent. Ça coupe quand tu parles. Ouais, ça coupe. Pardon? Ça coupe Ça quand coupe? tu...